bonjour Jean-Marc et bienvenue à cette nouvelle émission qui s'intitule « Si c'est bon, c'est bon ». C'est pas un peu de la merde comme titre. C'est un épisode pilote. Ah. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre à faire une pizza reine. Voilà. Pour la pizza reine, il vous faut de la pâte à pizza. Vu que vous êtes un gros branleur, vous l'achetez comme ça, toute faite. Alors, il va vous falloir de la sauce tomate. Regardez. Regardez comme elle est rouge, cette sauce tomate. C'est une merveille. Il vous faut des champignons de Paris. Oh, Paris, ville de lumière. Oh, ville de paradis et champignons assortis. Vous allez avoir besoin d'allumettes de jambon. Regardez le jambon. Ça, c'est du bon jambon. Ça, c'est du jambon qui donne envie, ça. Et enfin, vous allez utiliser du gruyère râpé qui ravivera avec enthousiasme et emphase les parfums oubliés de votre jeunesse heureuse. Tout à fait. Alors, pour commencer, vous préchauffez votre four. Magnifique four à chaleur tournante, auto-lavage par pyrolyse. Peut-être que les spectateurs ne sont pas obligés de... Oh putain, il est bon ce four. Voilà. Alors, vous faites revenir vos champignons à feu doux. Très bien, Olivier. Oh putain. Oh putain, ça sent bon ça. Peut-être qu'on peut continuer. Oh putain, ça sent le bonheur ça. Alors vous étalez la pâte et surtout vous n'oubliez pas de badigeonner avec sensualité. Ah, voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est alors... bon ça. Et voilà, vous pouvez dès à présent jouer vous à... Vous badigeonnez. Voilà. Ah. Alors vous disposez les champignons. Puis vous disposez le jambon, voilà, puis vous disposez le gruyère. Oh, le gruyère qui sent. Oh, les saveurs incomparables du temps jadis, l'explosion de parfums complémentaires dans l'extase de la dégustation orgasmique. Voilà, vous pouvez participer à notre... Vous enfournez. 30 minutes plus tard, c'est prêt, régalez-vous. Je concours.